Bienvenue à vous tous, mes chers amis taureau et ascendant, pour votre guidance générale de ce mois d'octobre. Merci, merci, merci d'être là, de plus en plus nombreux, de votre abonnement, de votre écoute, de votre confiance. Et j'en fais toujours davantage pour vous. Alors, je vous ai écouté, comme d'habitude, je vais mélanger les tarots et les oracles. Mais pour ce mois d'octobre, on est en automne, je vais vous envoyer énormément d'énergie avec deux tarots que j'affectionne tout particulièrement. Bien sûr, vous le reconnaissez, l'Osho Zen Tarot et celui-ci, une petite nouveauté pour vous, mes chers amis taureaux et ascendants. Alors, on y va sans plus tarder, pas de blabla, vous savez que je n'aime pas ça. Je demande donc à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, un tirage. Croix celtique simplifiée, c'est hop. Trois lames déjà qui ont sauté. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer? Vous avez toujours le libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, vous le savez très bien. Je suis ici comme accompagnateur, guide, et donc comme messager, je vous livre les messages que l'univers a à vous offrir tout au long de l'année. Voilà, tout simplement. Mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, merci de votre confiance et de votre soutien. Et sans plus tarder, on y va avec le problème central, deux problèmes centraux, l'origine du problème, le passé, votre but et l'issue, le conseil que les lames ont à vous partager. On y va, allez, c'est parti, vous allez voir avec l'origine du problème pour ce mois d'octobre. On a l'as d'épée. Alors cette lame, elle est là pour vous rappeler tout simplement que vous avez la capacité de créer des choses nouvelles dans votre vie pour ce mois d'octobre. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi le problème? On va voir ici avec cette deuxième lame qui est le 6 de coupe. Le problème, c'est que au niveau émotionnel, tu en fais trop. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Tu veux créer des belles choses et c'est tout en ton honneur. Mais ici, avec le 6 de coupe, on t'indique qu'au niveau émotionnel, tu en fais trop. Je me répète, tu en fais trop. Trop, c'est fatigant. Tu te fatigues, tu t'épuises inutilement. Et comment veux-tu faire pour tout simplement réussir à vivre ta vie sur du long terme, à donner en permanence aux autres pour pouvoir recevoir par la suite, naturellement, sans complications, parce que tu es dans l'amour et tu donnes et tu reçois naturellement parce que c'est les énergies, les vibrations, voilà, c'est la loi de la manifestation, la loi de l'attraction, la loi de la divination. Comme je vous l'explique en permanence, tu n'as pas ce que tu veux, mais tu obtiens ce que tu es, ce que tu ressens, ce que tu donnes et ce que tu fais pour les autres et également pour toi. Tu comprends? Donc c'est tout en tout, d'accord? Alors, le sage conseil ici, ce serait de ralentir certaines choses pour pouvoir redonner davantage par la suite. Alors bien sûr, on va voir l'origine du problème maintenant. C'est la lame du monde. Et oui, tu comprends très bien que le monde dans lequel nous vivons est chaotique. Il y a énormément de personnes qui ne sont pas honnêtes, qui ne se respectent pas, qui ne respectent pas les autres, qui manipulent, qui font du mal gratuitement. Ils sont contents de même que tu ne réussisses pas. Ils sont contents que ça ne fonctionne pas pour toi. Il y a énormément de personnes comme ça autour de toi.
Il y a des gens, ils vont te faire croire qu'ils sont gentils, alors qu'en fin de compte, ils essayent, par tous les moyens possibles, de te détruire. Oui. Alors, bien sûr que toi, avec la lame du monde, bah, tu veux changer ces choses-là. Et c'est tout en ton honneur, c'est tout comme moi, c'est voilà pourquoi je suis là. Mes intentions sont bonnes, et donc, vu que mes intentions sont bonnes, je m'arrêterai jamais, tout comme toi. Mais où elles sont tes intentions? De rendre le monde meilleur? Oui. Mais comment? Si tu te détruis de l'intérieur, comment tu peux faire pour redonner aux autres autant d'énergie que ça? D'accord? Donc voilà, pour ce mois d'octobre, mes chers amis taureaux, je sais que vous, et les ascendants, je sais que vous foncez tête baissée et vous voulez changer ce monde. D'ailleurs, avec votre attitude en étant vous-même, vous changez ce monde. Parce que les gens vous voient. Ils savent, ils se disent, ben, dis donc, il en a, elle en a de l'énergie. J'aimerais bien avoir être comme ça. Alors ils sont jaloux, ils vont te rejeter, t'ignorer, etc., etc. Et tu as besoin de soutien, d'accord? Et je suis là, ben, tout simplement, pour t'accompagner, te guider et te dire que l'amour, c'est la chose la plus forte. Ils ne peuvent rien pour toi. Tu peux tout perdre, tu finiras par rebondir. Voilà ce que ça veut dire. Le monde, il est en toi et c'est toi et toi seul qui choisis de vivre ta propre expérience de vie et non les opinions des autres. Voilà, c'est très fort, mais c'est ce que les lames veulent te dire. Merci de ton abonnement, de cliquer, de partager, de communiquer en commentaire. Je serais ravi de savoir tes opinions par rapport à ce sujet-là. Maintenant, on va voir le passé de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a ici le valet de coupe. Alors le valet de coupe, eh ben, tout simplement, il est en voyage dans ses pensées, ses propres émotions. Il va falloir que tu te rappelles du processus dans lequel nous vivons tous, d'accord? Nous sommes tous en voyage. Et là, n'oublie pas ton pourquoi. N'oublie pas pourquoi tu fais ce que tu dois faire. Pourquoi tu veux changer le monde? Pourquoi tu restes dans ton coin au lieu d'agir? Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu agis trop? Etc. etc. C'est à toi de mener tes propres réflexions. Voilà ce que le valet de coupe a envie de te dire. Alors tu vas me dire, mais maintenant, femme, le but de tout ça, c'est quoi? Le but de la vie, c'est de te faire confiance. C'est d'être dans la confiance. C'est d'amener les autres à te faire confiance. Tu comprends? Plus vous serez nombreux, plus les gens viendront à moi et me feront confiance. Je suis dans l'amour inconditionnel. Je donne, sans rien attendre en retour. Il suffit simplement de t'abonner à la chaîne et tu verras, il y a plus de 2300 vidéos qui tournent. Et j'en fais tous les jours, pratiquement. Donc je suis dans cet amour inconditionnel. Et pas dans l'amour conditionnel. Fais-toi confiance. Augmente ta confiance. Et si tu veux changer de classe sociale, parce que ta classe sociale ne te comprenne pas, ne veulent, ils ne voient pas en toi toute la valeur que tu apportes, alors fais-toi confiance. Et montre à la nouvelle classe sociale que ils peuvent te faire confiance. Voilà, c'est ça en fait. Ok? Tout comme moi, hein, tu peux aller bah, tout simplement sur ma chaîne YouTube et tu verras que je suis auto-entrepreneur. Voilà. Ok? Je suis dans le monde, je paye mes factures, je suis clean. Ok? Et fais en sorte d'être
honnête, de respecter les autres et de te faire confiance. Et c'est en te faisant confiance que tu verras que le monde extérieur pourra te faire confiance, parce que il verra en toi cette belle énergie qu'il y a en toi. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura parlé. Alors maintenant, l'issue et le conseil, tout simplement, c'est au-delà de l'illusion. C'est très simple. C'est très très simple. La vie, elle est simple. J'ai pas dit qu'elle était facile. J'ai dit qu'elle était très simple. Faire en sorte d'être heureux, de vibrer l'amour sur la terre. Et voilà, très facile à dire. Je t'invite maintenant à vivre dans ce monde chaotique où énormément de personnes ne veulent pas que tu réussisses. Bienvenue dans ce monde dans lequel nous vivons tous, et j'espère sincèrement que toi aussi, de ton côté, tu vas augmenter tes vibrations pour être un être de lumière et non un être de souffrance. C'était Fab, je te remercie de ton écoute, de ton abonnement. Et puis, pour te remercier, clique sur la cloche de notification pour recevoir dès demain ton tirage sentimental complémentaire. Allez, à demain. Bye.